bravo pour ce magnifique tour, puisqu'il y avait au programme une circuit de 2,5 km en ligne, donc qui ont été parcourus une moyenne pour les meilleurs de 6 minutes 30 voire 7 minutes au tour, peut-être même moins. Allez, l'arrivée ici pour ce coureur de Bossard 95. Christian Condeminas, il est de Gourdan, Polignan. Voilà. On termine aussi, le Bossard 87. Voilà, on va en terminer également avec Jean-Pierre Sémang, les derniers coureurs qui franchissent maintenant la ligne d'arrivée. Voilà, je crois que c'est là le dernier concurrent que l'on retrouve ici avec le dos 92. Alain Labarchette de Eos Olympique. Voilà, en tous les cas, eh bien, on en a terminé, Joël, au terme de notre midi cycliste qui a vu bien de bien beaux champions départementaux. On va tout à l'heure bien les découvrir, leur demander leur impression au sein de la cérémonie protocolaire. Voilà, c'était un bel après-midi cycliste, Joël, heureux d'avoir commenté avec toi, et bien entendu un temps particulièrement clément, et ce Val d'Azur, eh bien, dont on ne se lasse jamais. Alors les impressions, les impressions de la course. Avec un circuit de 2,5 km avec des passages un peu techniques, mais rien de dangereux. Combien tu fais alors? Non, je sais pas, 6-7, je sais pas. Tu me laisses dans la catégorie d'âge. Je suis bien parti, je suis pas trop mal parti. Toi, je me suis retrouvé tout seul, je me suis dit, je vais te crever, et là, ça allait mieux quand même. On n'est pas ici au Val d'Azur, j'en voulais un petit peu. Le Val d'Azur, c'est plus haut, le Val d'Azur, c'est la vallée. Ça serait un top si je faisais un podium. Comme disait l'autre, c'est ça, à la vallée des Gaves, bien que trois courses dans les jambes, il me bat. En tous les cas, particulièrement ce site.